Quinn dit à Apple que la veuve Ridge conduit sa fiancée dans les escaliers des manoirs. Belle dit que c'est beau dire à Sean que la plage d'un mariage était terminée. Quinn dit que Ridge est retourné au manoir bouleversé par quelque chose. Belle se demande si Ridge a attendu quelque chose. Quinn demande si Ridge a pu attendre. Quinn était étonnée d'attendre que Brooke a dit qu'elle aimera toujours Belle. Belle dit que cela a été dit d'une manière typique d'amitié. Et Brooke vous dire qu'elle s'y souciera toujours de lui. Belle dit que Brooke lui a dit que Ridge avait quitté la maison. Quinn s'est trompé, Brooke ne savait pas que Ridge était là. À la porte qui était légèrement introverte, Katie s'est levée et écoute. Quinn dit à Belle d'imaginer comment Ridge s'est sentirait s'il voyait Belle professer son amour pour Brooke dans les salons de Ridge. Et à son tour, attendait Brooke, ribonde de colle, admira toujours Belle. Quinn est sûr que Ridge est tout attendu. Et c'est la seule explication de ce qu'elle a vu au manoir. Katie ouvre la porte et Belle et Quinn la saluent. Quinn décide de partir. Katie ferme la porte derrière Quinn. Belle dit qu'elle a trop de voix Katie. Elle lui envoyait des SMS et l'appelait. Katie demande, il dit à sa sœur qu'il l'aime. Le baiser dans la cabine n'était pas suffisant. Elle vient d'entendre Quinn dire ça. Belle dit qu'elle a contacté Katie, l'a appelée et lui a envoyé un texto, mais elle n'a pas répondu. C'est comme si elle ne voulait pas s'en sortir. Katie dit parce qu'elle n'est pas prête. Elle avait besoin de temps pour comprendre ce qu'elle voulait pour elle et leur fils. Elle est arrivée là-bas cette nuit-là pour voir si elle et Pearl avaient l'air de l'avoir et reconstituer leur famille. Simultanément, elle dit désolée et lui manque. Belle dit que Kate lui manque aussi. Elle se sent horriblement mal de lui avoir fait du mal. Katie dit qu'elle l'a fait encore et encore. Elle pense qu'elle peut dépasser ce qui s'est passé avec Belle et Brooke, mais le problème est toujours là. Elle dit que ses problèmes et qu'il ne veut pas d'elle, elle veut sa sœur. Brooke était la troisième roue de l'oration depuis le tout début. Belle dit qu'elle le sait et est désolée.
Katie dit qu'elle n'est c'est son boss. Elle s'est mal pour se contrôler. Elle ne comprend pas ce que Brooke fait pour lui que Katie ne peut pas. Elle joue que le petit ne voulait rien dire. Mais c'était apparemment le cas. Elle dit à Brooke qu'elle l'aime. Belle dit qu'elle ne ment pas sur le fait que l'épée soit l'impulsion de moment. Katie dit que ce n'est pas une excuse. C'est toujours les mêmes déceptions. Elle lui dit qu'elle était bien plus que cela. Katie dit qu'elles ont des beaux souvenirs et un fils. Elle veut leur donner une seconde chance, mais elle ne peut pas les laisser lui briser le cœur à nouveau. Chez Eric, Brooke demande à Rich pourquoi Shona est sur son lit et ce qui se passe. Brooke dit qu'elle lui pardonne et qu'elles ont prévu de continuer leur vie. Brooke demande maintenant ça. Rich demande à Shona de les laisser parler à Brooke seule. Et Shona quitte la pièce. Brooke demande à Rich de dire que c'est n'est pas si à quoi elle ressemble. Brooke ne comprend pas pourquoi Rich a dit qu'elle prendrait à Shona les papiers d'annulation et rentrerait chez lui. Mais à la place, elle a Shona sur son lit. Rich demande si Brooke a des sentiments pour Rebelle. Brooke demande pourquoi il parle de Pearl. Et Rich dit qu'elle l'a attendu. Brooke ne sait pas de quoi Rich parle. Rich dit qu'elle pardonne son plaisir avec Pearl, même après ce que Belle a fait à la famille et à la fille de Rich. La conversation entre eux était agréable et elle retourna à la maison pour laisser un petit mois à Brooke. C'est alors qu'il attendit Paul en pas. Paul avait profité son amour pour elle. Brooke dit qu'elle comprend à quel point Rich s'y sentira en attendant cela, mais elle dit qu'elle n'est pas responsable du sentiment d'Ibel. Rich retorque que Brooke est responsable de ses propres paroles. Brooke demande ce que veut dire Rich. Il répond qu'il a attendu ce qu'elle a dit à ses salauds. Comment Brooke peut dire à Pearl qu'elle l'aime toujours? Pourquoi il l'a dit? Elle dit qu'elle était mariée à Pearl. Elle n'aime pas Pearl comme elle aime Rich. Elle aime profondément Rich et ce qu'elle a dit à Pearl n'était qu'une expression. Dit qu'elle était mariée à Pearl et Eric. Elle aime les deux hommes et on garde des bons souvenirs. Ils ont été très importants pour elle
à différents moments de sa vie, surtout si qu'elle vous dure. Elle a dit appel du parterre et que Ridge sera contrari que Pearl soit là. Elle promet que c'est tout ce que c'était. Brooke n'arrive pas à croire ce qui se passe. Elle ne peut pas laisser Shona et Pearl se mettre entre eux comme ça. Ils acceptent de continuer leur vie ensemble. Brooke insiste pour qu'elle se pète pour leur relation. Brooke est désolée que Ridge ait été blessée par ce qu'elle a dit à Pearl. Et il est désolé qu'elle ait ressenti le besoin de se tourner vers Shona. Et dit que Ridge sait qu'elle ne veut pas qu'elle fasse ça. Ce n'est pas la fin pour eux. Elle promet que ce n'est pas le cas et dit que ce n'est pas possible. En bas, Queen arrive et surprise que Shona ne soit pas en route avec Ridge. Queen demande où est Ridge. Shona dit qu'elle est en route avec Brooke. Queen demande si Shona et Ridge étaient au milieu de quelque chose. Shona dit non, Dieu merci. Mais elle était assise sur son lit. Shona est contente que quelqu'un son amuse. Queen dit que Brooke l'a fait venir depuis des décennies. Shona salue la fin de la relation. Mais elle se sent mal bourrée. Elle dit que ce n'est plus pas être facile pour lui.